Média. Le MMA ou arts martiaux mixtes combine différents sports de combat. Le but est de soumettre son adversaire et cela peut se finir par un chaos. Ce sport, réputé pour être violent, aide pourtant certains jeunes à contrôler leurs émotions. Le MMA a de plus en plus de succès parmi la jeune génération en Belgique. Patrick Abirora est vice-champion européen amateur. J'ai vraiment découvert le MMA sur le tard, donc c'était assez vraiment par hasard. Et je ne pensais pas du tout faire carrière dedans, donc c'était juste pour apprendre à se défendre. Mon père, il m'a toujours suivi depuis le début. C'est lui qui m'apprenait même à me défendre quand j'étais petit, on va dire. On a toujours fait de la lutte dans le salon, apprendre à boxer dans le salon, enfin des trucs vite fait. Mais ma mère, c'était plus compliqué. Ma mère, elle est croyante, donc c'est assez compliqué de voir son fils prendre des coups. Mais ça, je pense que c'est comme toutes les mamans où les enfants font du judo, de la lutte, de la boxe anglaise. C'est toujours assez compliqué pour les mamans. Même au foot, si son fils il se prend un tacle, je pense que la maman va avoir peur. Donc ça, c'est un peu le trait typique des mamans. Mais mon père, ça a été assez simple. Le MMA est légal en Belgique, mais il n'est toujours pas reconnu comme un sport. Pourtant, de nombreux clubs ont ouvert ces dernières années. Ses adeptes, même de haut niveau, ne reçoivent pas de subsides. Le MMA, ça m'a aidé surtout à me canaliser. Je pensais que quand j'étais petit, j'étais un petit un peu, on va dire, hyperactif, avec beaucoup d'énergie, des fois du mal à la canaliser. Et le MMA est surtout la découverte aussi avec, je pense, mon coach, qui est un peu comme un deuxième père spirituel, m'a vraiment mis sur une lignée ou une voie directive où j'ai pu canaliser mon énergie, canaliser mon tempérament. Ça m'a appris la discipline, la rigueur, la vue de quand quelqu'un est au sol et il prend un coup au sol, où les gens, ça choque beaucoup de personnes. Mais il faut savoir que l'amplitude qui est donnée quand la personne est au sol et qu'on le frappe au visage est vraiment très très minime. Il y a beaucoup plus de dégâts au cerveau en boxe anglaise qu'en MMA. Le MMA, c'est l'un des derniers sports de combat les plus dangereux comparé à tout ce qui est kickboxing, boxe anglaise, où là, on va avoir beaucoup plus d'impact au cerveau, d'où là, on va avoir des problèmes plus tard. C'est un ring sécurisé, c'est avec des grillages, parce que si on faisait des projections comme on voit dans la lutte ou au judo, on passerait à travers les corps du ring. Donc c'est plus pour protéger les athlètes en fait. Au début, c'est clair que c'est compliqué. Au début, sans aide financière, on se débrouille. Après, j'ai la chance d'être dans ma salle ici au Naja Team, où ils m'aident à pouvoir travailler en tant que coach. Donc je coach les enfants, je suis personal trainer également. Donc voilà, j'essaie de tourner aussi autour du MMA, de garder vraiment un aspect dans le sport, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et j'essaie de gagner ma vie de par ça. Et en me focusant sur ma carrière, donc me permettre d'avoir le temps de pouvoir m'entraîner 4 à 6 heures par jour, ce qui n'est pas évident si on fait des études ou on a un travail directement en tant qu'employé. Il y a beaucoup de fair-play dans les sports de combat et c'est vraiment l'essence même de la voie martiale. Je pense que c'est très très rare de voir deux personnes qui vont pendant une certaine durée de temps s'opposer et donc combattre l'un contre l'autre et 2 minutes après pouvoir faire un câlin et aller boire une bière ensemble ou je sais pas, aller fêter ça. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est vraiment l'histoire du sport en fait. Patrick Abirora espère que la future génération aura un jour la chance d'être reconnue. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?